Il voulait aller jusqu'au bout, ce ne sera malheureusement pas le cas. Axel, éliminé de la Star Academy lors de la première demi-finale le 20 janvier dernier sur TF1, s'est livré dans une interview exclusive accordée à Gala. FR. Au cours de cette entrevue, le jeune chanteur de 23 ans a fait de nombreuses révélations, révélant notamment un détail inattendu concernant Victorien, un autre élève du château, éliminé le 2 décembre dernier. On a découvert qu'on avait plein de points communs. On était au même lycée et on ne se connaissait pas du tout, a révélé Axel. Au-delà des projecteurs et de la compétition intense de la Star Academy, les académiciens ont tous créé des liens d'amitié profonds, notamment Axel et Victorien. Axel, ouvert sur sa vie personnelle et son orientation sexuelle, a révélé un attachement particulier pour son ancien camarade, qu'il surnommait affectueusement Biscotte. Victorien est un très beau garçon mais ça s'arrête là. On est surtout très amis et il le sait très bien, nous a d'ailleurs confié l'ancien académicien, interrogé sur une possible histoire d'amour. Star Academy 2023, découvrez les portraits officiels des 13 élèves Axel, Star Academy 2023, fatigué par l'aventure, c'est dur de gérer l'intensité dans nos colonnes, Axel a également partagé la pression et la fatigue vécue au sein du château. On est tout le temps stimulé. Il y a un cours, un artiste qui vient et les prime à répéter. Puis, il y a les coups de mou car on est fatigué. C'est dur de gérer l'intensité et ça peut paraître un peu submergent, a-t-il admis. Malgré ces défis, Axel a souligné l'esprit de solidarité et de bienveillance qui régnait parmi les candidats, un soutien mutuel précieux dans les moments de découragement. Quand on a un petit coup de mou, on est sûr que tout le monde vient nous voir. Et ça va mieux, a-t-il expliqué, évoquant les liens forts tissés durant cette aventure unique, qui prendra fin le 3 février prochain lors de la finale qui opposera Julien à Elena ou Pierre. Crédit photo, capture d'écran TF1. Just need some